suis en feu, je ranime tout le monde, rien à foutre. Bonjour tout le monde, c'est Kems, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 5 car aujourd'hui sont sorties deux nouvelles maps d'infanterie. On démarre dès maintenant avec les îles Lofoten. Alors comme ça, a priori, très rapidement, ça ressemble à un petit Narvik sans neige. Voilà, c'est ma toute première impression. On est en conquête en escouade, la map, enfin même les maps existent également en match à mort. Et bah on va voir ça tout de suite, du coup pas de véhicule. Hop, allez toi tu dégages, c'est ça qu'est bon. Pas de véhicule, de l'infanterie, de l'action. On va voir ce que ça donne. Hop, on va prendre le point, faut pas déconner. C'est chez nous ici. Putain d'escalier, ça, ils ont toujours pas. Ils ont toujours rien fait à ça. Oh putain, il y a du monde ici. Il y a du monde. Ils sont où? Dans des stands. Ah, ils se sont fait fumer. Ça vient, ça vient, ça vient. Waouh. Oh putain. Oh mince. Oh, je m'en suis sorti, je sais pas comment. Allez, on va maîtriser B, comme ça on va visiter en même temps. Direction l'entrepôt à poissons, les amis. Petit barraquement rouge. Alors ça me fait penser également à Firestorm. Franchement, ouais. Firestorm, et puis aussi, je sais plus quelle map du mode histoire. Une map, franchement, ça se passait ici, en fait. Le port et tout, ouais, une map du mode histoire. Bon, y a personne ici. On a la maîtrise totale. Allez, direction point C, du coup. On va voir ce que ça donne. Et ici, ouais, Narvik avec les grands machins. Hop, toi, tu dégages, mon salaud. Ça, ça passe. Hop, le copain, il m'a eu. Ah, il y en avait un en dessous. Au petit M30 drilling, passe crème. Y a moyen de se faire animer ici? Non, y a peut-être pas moyen. Moyen de moyenner, s'il vous plaît. Non, la team s'est fait avoir. C'est pas grave. Bon, c'est dommage qu'ils aient pas pu nous sortir une map en conquête et tout, en percée avec des véhicules. Mais bon, on peut pas attendre grand chose de Battlefield maintenant, au stade où il en est, malheureusement. Je pense qu'il y a plus les fonds monétaires pour faire de grandes choses, donc on va pas se plaindre. On va prendre ce qu'on nous donne et on va faire avec. Donc c'est déjà pas mal, ça fait un petit peu de renouveau. Hop, ils sont où les méchants? On est les méchants, on doit tuer les gentils. Oh non, ça c'est un gentil. Ouais, donc map infanterie. Moi c'est pas ma préférence, hein, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Moi j'aime bien les grandes maps avec beaucoup de monde, beaucoup de véhicules. Wouah! La grenade à fragmentation, ma gueule. Je l'ai pris, mais de plein fouet. Merci mon gars, elle est arrivée de nulle part celle-ci. Incroyable, bien joué le mec, hein. Bien joué. Bien joué. Allez, entrepôt à poissons, on va faire la loi ici. J'aime bien ici, c'est sympa. Il est loin, mon pote. Je vais pas prendre le risque d'aller le sortir de là. Ouais, clairement, c'est tiré de la... Je reconnais carrément. Hein. Le mode histoire, là, je sais plus quel truc. Je sais même plus comment ils appellent ça. Ça fait bien trop longtemps. Ça fait presque un an, vous vous rendez compte? Presque un an que le jeu est sorti. Mais pour ceux qui ont fait le mode histoire... Ils reconnaîtront immédiatement. Donc c'est sympathique. Bah, c'est dommage que ce soit petit. Hein. Je me répète un peu, mais bon. Bah, c'est ça, hein, c'est mon impression. Il est où le mec, là? Avec la cagoule. Je crois que je l'ai pas vu. Fout ta cagoule. Oh, il s'est fait abattre, impeccable. Allez, on prend le contrôle du point A. Tiens, hop, petit soin des familles qui fait plaisir. Bon, sinon, en tout cas, que ce soit resserré pour la conquête en escouade, c'est pas mal. Par contre, on est uniquement 8 contre 8. Ouais, voilà. Donc, 8 contre 8, c'est pas la folie. Après, vous me direz, ça privilégie le skill. Mais bon, on n'aime pas. À voir. Wow. Je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir, lui. Hop. J'arrive, poteau. Tac. Bon, je m'en sors pas trop mal. Sachant que, honnêtement, j'ai pas joué à Battlefield depuis. Wow. Encore? Ah ouais, fusil lance-grenade. Ça, c'est les mecs qui savent pas jouer. Ils prennent le fusil lance-grenade et bim, one shot, rien à foutre. Oh, les salauds. Attendez, il y a un petit res. Non, pas de petit res, dommage. Bon, en tout cas, petite carte sympathique. Faudrait que je la teste aussi en match à mort, parce qu'en match à mort, bah, on est plus nombreux. Ouf! Encore le M30 drilling qui a frappé. En match à mort, on est 16 contre 16. Donc, après, sur une petite map comme ça... 16 contre 16, ça risque d'être un gros merdier. En tout cas, j'aime bien, sinon, ça va, ça passe. Bon, je vais pas vous dire que ce sera ma map préférée. Là, j'ai fait de la merde. J'ai voulu la jouer grenade, mais non. Bon, c'est pas grave, on domine quand même pour le moment. On va essayer de pas se relâcher. Hop. Pas de panique. Tac. Je vais vous soigner. Petit soin des familles qui fait plaisir.
On va plutôt aller sur C. Oh, ils sont déjà en train de prendre sur C les collègues, tout se passe bien. Sur ce genre de petite map. Ouh, ok, toi je t'ai repéré. Ah, il descend, ok. Faut pas hésiter sur ce genre de petite map à faire le tour comme ça. On peut facilement trouver des mecs un petit peu cachés, un petit peu planqués. Bon, lui au moins il a eu la décence de bouger. Hop, ah voilà, il ira pas plus loin. Il est où le deuxième? Il doit être au-dessus. Essayez de pas me faire repérer avec le bruit. Il est quelque part là-dedans, c'est obligé. Bonjour. C'est bon, son compte est réglé. Ah, ok. On reprend C, vas-y, on reprend C. Allez, direction C. Les cuves supérieures, c'est des cuves de quoi? C'est des cuves de vin ou quoi? Hop. Ah, j'ai le temps de m'allonger, heureusement, là, parce que j'étais mal barré un peu. Le collègue, il est mort. Hop, lui, il y passe, merci. On progresse. Je sens qu'on m'attend, je sais pas pourquoi. Non, ça va, ça passe. Contourne. Prends le temps de recharger. Être full balle. C'est bon, on est bien. Il y a un mec juste là. Il y a un spécialiste de la grenade, hein. C'est lui là-bas? Tiens. Eat this. Ah, on peut pas construire plus haut, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on a repris le point C. Et là, j'ai envie de vous dire, on reste au point C. Tu vois ce que je veux dire? Oh mince! J'étais en train de mettre la petite grenade fumée, j'ai pas eu le temps de re-switcher d'armes, dommage. Bien joué, il y a du niveau hein, en face. Il y a du level, c'est bien, ça fait plaisir, ça fait un petit peu de challenge. Là, il y a du grabuge sur C. Hop. Allez. On prend ça, c'est bien. Allez, on essaye de les acculer complètement. On va rechoper A s'il y a moyen. Donc A, c'est le poste de communication. Bon, c'est pas des maps sur lesquelles je vais passer beaucoup d'heures, hein, honnêtement. Waouh. J'arrive. Tac. Mais bon, elles ont mérite d'apporter un tout petit peu de fraîcheur. Ah, j'ai tiré un petit peu sans viser, là j'ai fait n'importe quoi honnêtement. Faut pas céder à la panique. Tac, on ferme ça, merci. Ils sont où les mecs? Bon, je crois qu'ils se sont fait annihiler. Direction point C, cuve supérieure, on va reprendre la vinasse mon gars. On reprend la vinasse. J'aime bien quand même cette map. Bonjour. Hop, par derrière, ça c'était facile, c'était easy. Et encore j'ai mis beaucoup de temps. Faut pas dire que j'étais ultra efficace. Tac. Ah. Ils vont m'avoir repéré les mecs. Oh là là, on a le contrôle complet. On s'en sort bien, on s'en sort plus que bien les amis. Objectif sécurisé, mais tu m'étonnes. Bon bah c'est pas mal, petit bateau, petit air norvégien. Petite map, petit effort de la part de DICE. Petite surprise pour la rentrée, enfin surprise. Honnêtement, j'ai pas trop suivi les actus Battlefield ces derniers temps, mais de ce que j'ai compris, ces maps devaient sortir pour l'été. Donc en vrai, ils sont plutôt à la bourre. Mais bon, faut pas leur en vouloir, hein, voilà. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, les amis. Ah, du fumi parti. Fumi parti. Bonjour. Hop. Et ben voilà. Donc pour Hill of Autumn, c'est testé. On se retrouve dès maintenant sur Provence avec les cigales, mon ami. Les cigales, le pastis et la pétanque. C'est parti. Regardez-moi ça, ce paysage, Marcel Pagnol. Ça sent bon le pastis, ça sent bon la chaleur, ça sent encore un reste d'été. Wow, just wow. Alors lui, il parle des lags. Le monsieur a des lags. Moi, je pense la même chose pour le paysage. Wow. Parce que c'est sympa la Provence. Ah, tout cet herbage. Toutes ces pierres du sud. Gobé. Allez, gobé. Manoir sur la rive. Oh, il nous propose un manoir. What the fuck? Bonjour. J'arrive, mec. T'inquiète même pas, on est là. Hop, on représente. Tac. Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Hop. Insane. Oh putain, il y a les mecs là-bas. Merde, il est où? Non, il est parti par où? Je l'ai perdu. Je vais essayer de ranimer le pote. Faut que je grimpe. Par où on grimpe? Là, ok. Ils sont où les mecs? Ils sont planqués, hein. Là, je suis dans le manoir, là, vous croyez? On y voit que dalle avec avec toute la végétation. J'aime bien. C'est resserré. What? Il y a du couvert. Il y a de quoi se cacher. Franchement, ça tripe. Ah, c'est grand, ouais. Stylé, bonjour. What? Bien joué, mec. Oh putain, j'étais mauvais. J'étais très mauvais, là. J'ai commencé à tirer en premier. Il s'est retourné, il me l'a mis. Il a dû augmenter la cadence de tir. Contrairement à moi, au niveau des améliorations, où j'ai mis plus de balles.
Et ici, j'ai trop envie de taper une pétanque. Attendez, il faut que je trouve le terrain de pétanque. Parce que là, c'est comme des pavés. C'est pas idéal. Ah, voilà, l'église et cours de l'église. Allez, direction B, les amis. Le manoir. Je sens que les gens vont bien aimer fighter ici, en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est fun, tout simplement. Petit manoir des familles. Ils sont où, les mecs? Ça, c'est l'inconvénient. C'est bien pour toi te cacher, mais pour trouver les autres, c'est cache-cache, quoi. Ah, tu peux faire une partie de cache-cache ici, ma gueule. Alors, pour commenter un petit peu mieux la map, honnêtement, bah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Plus que les îles Lofoten. Les îles Lofoten, c'est plus en mode James Bond. Je pense pas que je me fais comprendre en disant ça, mais c'est plus genre un lieu de mission. Alors qu'ici, c'est plus un... C'est un lieu de glande, tu vois. T'avais une petite extension de vacances. Donc c'est bien. Allez. On prend le dessus là un petit peu. Là on est bien en team play, c'est bien. Hop, on va garder B. On va pas être gourmand, essayer de prendre les 3 points. Parce que là il y a pas mal de répondants en face. Donc on va juste essayer de les empêcher de revenir vers B. Je dis ça et je peux pas m'empêcher d'avancer. Genre là j'entendais pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils étaient exactement là où je pensais qu'ils étaient. Et moi, je regarde ailleurs. En mode teubé. Et c'est serré, hein? 85-87. Ultra serré. Mec, je suis dans les fougères. Viens m'aider, viens m'aider. Come on. Ah, du coup, on donne toute la chance aux Rez, hein, quand c'est comme ça. Voilà. Merci, cagoule. Hop là. Oh, oh. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Ah, j'ai pas eu le temps de mettre la fumée, tant pis. C'est bon, on a réanimé quand même. Hop là, on aide les copains, fumée quand même. Wouah. La save de dernière minute. Merde, plus de balles. Bon, c'est plaisant, hein. C'est plaisant. Ça manque de monde. Je pense qu'en match à mort par équipe, a priori c'est la même taille de carte. Ça doit être stylé de ouf, par contre. Après, j'aime moins parce que t'as moins un flux de toi. T'es plus vraiment en escouade. Les gens jouent moins l'escouade quand il n'y a pas d'objectif, ce qui est compréhensible. Mais du coup, c'est moins agréable. En tout cas, dans l'esprit Battlefield. Ah, il y avait une mine de poser au sol, vous avez vu? Genre, attendez, là. Il y a un mec, il a mis une mine, quoi. Au cas où, on sait jamais. This map needs 64 players. Peut-être pas 64, c'est un petit peu beaucoup. Mais oui, il est d'accord avec moi qu'on n'est pas assez nombreux. Tac. Mais ouais, vous voulez garder B? Ça marche. On ranime les poteaux, ça fait plaisir. Je suis en feu, je ranime tout le monde, rien à foutre. Même pas où ils sont, les méchants. Là, 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 là. J'ai pas eu le temps, dégoûté. J'ai plus le temps de rien, là. Hop. Oh, dégage. Ça, c'était bien joué. J'aime bien quand c'est le Bronx comme ça. Ouh, dommage. Encore l'MP28. Je suis bloqué, on est bloqué tous ensemble, là. Ruthless aggression. Ouais, j'ai rien respecté. Ah, dommage. Si j'avais été allongé avant de tirer, ils m'auraient pas vu. J'aurais fait double kill. Tac. Hop. Ouh là là, attention au truc de... Attention à pas perdre au dernier moment. En tout cas, mon avis sur cette map, très positif pour une map courte portée. Un petit peu grande, donc sûrement plus sympathique à jouer en match à mort. 16 contre 16. Ouf. Et c'est pas garanti qu'on gagne. Hein. 9, 12. Faut prendre les points. Hein. Faut se mettre dedans. Hein. Tac. C'est ça qui va tout changer peut-être. Faut faire gaffe. Oh là là, c'est serré les amis, jamais vu un truc aussi serré. Ah, on est mal. On est mal.
Alors, gagné perdu ? Défaite, défaite, vraiment rien du tout. En tout cas, cette petite map Provence, vraiment super sympathique, je vous recommande d'aller la tester. Donc pour ça, c'est match à mort en escouade ou... qu'est-ce que je raconte ? Conquête en escouade ou match à mort en équipe. N'hésitez pas, allez-y, ça fait du bien, ça rafraîchit un petit peu pour la rentrée, c'est le cadeau de la rentrée. Voilà les amis, en attendant, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée de votre côté. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, c'était Kems. Ciao !